Un toit vert. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration des toits émeraudes. Aujourd'hui, je suis très proche de l'opéra, je dirais même quasiment sur l'opéra. Et je vais aller bien évidemment trouver ce fameux toit émeraude. Donc voilà, donc on va faire très attention. Parce que bien évidemment, le but n'est toujours pas de déranger ou de dégrader. Si je vois des choses que je peux réparer par moi-même, bien évidemment, je ne vais pas hésiter à le faire. En tout cas, allons visiter ce fameux toit émeraude. Et bien évidemment, comme vous pouvez le reconnaître, derrière moi, voici l'Académie Nationale de Musique. Voilà, donc normalement, si je me rappelle bien, les histoires d'opéra, ça doit être dans ce coin-là. Je ne sais pas exactement si c'est ça, mais en tout cas, il y a un très joli toit émeraude. Alors, c'est parti, allons découvrir ça tout de suite, en exclusivité sur Patreon POV. Ah, je vois, je serais cool. Si je réparais ça un maximum. Voilà, je crois que ça se glisse en dessous. Hop. Ça devrait être pas si mal que ça. Allez, on va utiliser la poussée extérieure et on va s'agriger là-dessus. Allez. Ah, je serais confiant sur ces trucs-là quand même. Hein. Heureusement que je les répare, hein, parce que sinon, ça serait vachement moins solide. Hop. Eh bien, je trouve cette petite exploration pas si mal que ça. Et puis on a réussi à atteindre notre objectif de trouver un nouveau toit émeraude. Voilà. Une ville, la ville est magnifique, j'aimerais beaucoup aller sur ce truc-là, là-haut. Mais d'abord, on va regarder un petit peu. C'est superbe. Je valide totalement. Bon après ça c'est vraiment magnifique. Bien évidemment les monuments parisiens que j'essaye d'éviter un maximum aussi par respect tout simplement. Même si je fais très attention, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important comme symbole. Et les symboles français ont fait ce que les athlètes d'aujourd'hui sont, c'est-à-dire des athlètes corrects. Et j'essaye de montrer cette image là. Bon, allons essayer ce truc là. On va voir ce que ça va donner. C'est parti. Tchac. Et tchac. Waouh. C'est superbe. Allez, j'ai plus que 30% de batterie. Alors on va accélérer un peu le mouvement. C'est officiel, j'y suis arrivé. Magnifique. Coucou tout le monde. Et bien voilà, je crois que j'ai finalement réussi à m'accrocher quelque part. Regardez un petit peu où je suis. Magnifique. Un nouveau toit émeraude en tout cas. Très heureux d'avoir pu vous emmener ici. Bien évidemment vous pouvez voir Montmartre au bout. Et deux hélicoptères de l'armée aussi. J'espère que c'est pas pour moi. La police et l'armée, bien évidemment, parce que je me suis entraîné aussi avec un ancien des forces spéciales, c'était très intéressant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Challenge réussi, un nouveau toit émeraude. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.
Allez, peace. Allez, redescends donc là. Le but n'est pas de passer énormément de temps, mais juste d'atteindre un objectif. Donc je viens et je repars comme un petit chaton, en espérant ne déranger personne et ne faire déplacer personne, bien évidemment. Sympa ce petit tour. Je vais en évidemment continuer par là, mais on va faire 2-3 photos, puis on va y aller. Par là, je trouve ça vachement curieux. Je vais aller visiter un petit peu. J'ai pas pris de lumière, je suis désolé. Oh. Plutôt sympa. Alors là, bon, bien évidemment, on est dans le dôme. Ouh. Très sympathique en tout cas. Ah, c'est ça qui fait la lumière pour éclairer. Petit spot. Pour cette exploration bien sympathique en tout cas, je vous remercie et n'hésitez pas bien évidemment à aller checker sur le Patreon. C'est une exclusivité Patreon. Okay. Bon, alors je me suis fait repérer. On va essayer de se speeder un peu. Bon, alors bien évidemment, je crois qu'il y a la gardienne qui est dans la loge qui est là. On va faire attention, passons devant. Bye bye. Merci pour la visite. Bon, et bien voilà, il me reste 10% de batterie, donc je vais vous faire un gros bisou. J'espère que cette exploration et ce nouveau vlog, toi Emeraude, vous ont plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en exclu sur Patreon. Peace !